Bonjour et bienvenue à un autre cours de sciences de Madame Rousseau au sujet de la chimie organique. On continue avec nos règles de nomenclature des composés organiques et cette fois, pour la dernière vidéo sur la nomenclature, nous allons nous attaquer au groupe fonctionnel qui s'appelle nitrile. Alors, comme on le voit sur l'image, le groupe fonctionnel des nitriles contient un atome d'azote qui est attaché à un atome de carbone par un triple lien. Ça, c'est le groupe fonctionnel cyano qui s'appelle. Et ce groupe fonctionnel-là va toujours être placé au bout de la chaîne de carbone. Ça peut être une très courte chaîne, ça peut être une très longue chaîne, ça peut être une chaîne qui contient des ramifications, mais c'est sûr que ça va être au bout de la chaîne de carbone. Des exemples ici de modèles en trois dimensions, on en voit un où il y a un triple lien qui est attaché à une chaîne de trois carbones. Un autre ici qui est juste un triple lien au bout de un carbone, donc c'est la méthode, la molécule la plus simple pour les nitriles. Et un autre ici où on a un triple lien au bout d'une chaîne de deux carbones, mais ça va toujours être au bout de la chaîne. Comment on fait pour les nommer? Il va falloir commencer comme d'habitude par nommer l'alcane et on va rajouter un suffixe à la fin. Donc, pour nommer l'alcane, souviens-toi, il faut d'abord compter le nombre de carbones pour déterminer la racine. Ensuite, on vérifie que les liens entre les carbones sont bien des liens simples pour pouvoir mettre le mot « ane » à la fin, la syllabe « ane ». Et après ça, on vérifie s'il y a des ramifications pour mettre nos préfixes du groupe alkyle correspondant à la ramification. Le suffixe qu'on va utiliser pour les nitriles, ben, ça va être simplement le suffixe « nitrile ». C'est pas trop mis de complications sur ce choix de mots-là. Et on va faire quelques exemples. Premier exemple ici, ça va être avec une chaîne de deux carbones. Donc, sur cette chaîne de deux carbones-là, ça nous donne la racine 8 pour éthane, puisque le lien est simple entre les deux carbones. Et après ça, on va rajouter notre groupe nitrile, qu'on voit ici parce qu'il y a un triple lien entre le carbone et l'azote. Et ça va faire du éthane nitrile, tout simplement. La molécule est linéaire, elle ressemble à ça ici, avec le petit groupe méthyle au bout comme ça. Un autre exemple, cette fois avec une chaîne un peu plus longue, je te suggère comme d'habitude de l'essayer tout seul, fais sur pause, puis reviens pour voir la réponse. La réponse de celui-là est assez simple, ça ressemble à l'autre, la différence c'est qu'on a une chaîne de 3 carbones, donc la racine va être propre. On a encore des liens simples entre les carbones, donc on a effectivement du propane. Et après, on n'a pas de ramification, donc on peut s'en aller directement sur le groupe fonctionnel nitrile et ça devient du propane nitrile. Voilà, c'est tout simplement la réponse pour cette molécule où on voit la chaîne de 3 carbones et le triple lien avec l'azote ici. OK, on va faire un petit peu plus compliqué maintenant. Beaucoup de carbone ici. Souviens-toi qu'il y a un carbone au bout de chaque ligne dans une formule structurale linéaire. Donc, il y a beaucoup de carbone ici à gauche, beaucoup de carbone ici à droite, en plus du carbone qui est en bas. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour choisir notre chaîne principale? La chaîne principale doit être la plus longue chaîne de carbone ininterrompue, mais c'est important que cette chaîne contienne aussi le groupe fonctionnel. Donc, il va falloir que je commence ma chaîne de carbone ici pour me rendre jusqu'à 6. Ces deux autres carbones-là auraient fait une chaîne plus longue, mais n'auraient pas contenu le carbone du groupe fonctionnel. Alors, je ne pouvais pas prendre la ligne horizontale comme chaîne principale. Ça devait absolument partir d'ici. Maintenant que je sais ça, je les compte. J'ai 6 carbones dans la chaîne principale qui contient le groupe fonctionnel. Alors, la racine va être hexane. Je vérifie que j'ai des liens simples entre les carbones, c'est bien le cas, donc je peux continuer. Ensuite, je dois aller au groupe alkyle qui est dans la ramification. La ramification est juste ici. Dans ce groupe alkyle, j'ai 1 et 2 carbones, donc ça va être un groupe éthyle. Dans le groupe éthyle, maintenant, je dois identifier sur quel carbone il est attaché. Ça veut dire que je dois numéroter les carbones. Pour numéroter les carbones, il faut que je m'assure que le groupe fonctionnel et la ramification vont avoir la plus petite position possible. Ça veut dire que je vais commencer ma numérotation ici au carbone qui a le triple lien. Ça va me donner la position 2
pour le groupe éthyle. Et pour le groupe nitrile, il est toujours à la fin de la chaîne. Donc, ici, on va rajouter le nitrile pour l'hexane nitrile du nom. Et on n'a pas vraiment besoin d'écrire qu'il est sur le carbone 1 parce que le nitrile est toujours au bout de la chaîne. Et s'il avait été sur le carbone 6, ça aurait tout simplement voulu dire qu'on a mal numéroté nos carbones. Donc, c'est sûr que c'est le carbone 1 pour l'hexane nitrile. À la limite, si tu voulais vraiment être pointilleux, il aurait fallu mettre un 1 entre hexane et nitrile, mais il faut toujours simplifier à la plus simple expression le plus possible. Cette molécule ressemble à ceci, donc on a notre chaîne principale qui part de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones dans la chaîne principale, et le groupe éthyle qui est attaché sur le carbone 2. OK, dernier exemple pour cette vidéo. Comme d'habitude, essaye tout seul d'abord, puis sur pause, et ensuite reviens voir la réponse. OK, la chaîne principale ici, elle va du carbone de gauche jusqu'au carbone de droite. On ne pourrait pas utiliser ce carbone dans la chaîne principale parce qu'il faut absolument utiliser les carbones qui ont les groupes fonctionnels nitriles ici. Donc, j'ai 5 carbones dans cette chaîne principale-là, ce qui veut dire que la racine va être pentane, ce qui est confirmé par les liens simples qu'il y a entre les carbones. Maintenant que je sais que j'ai du pentane, je regarde si j'ai des ramifications. Effectivement, j'ai une ramification ici. Cette ramification-là, c'est un groupe méthyle, alors je vais mettre méthyle au début. Et maintenant, je dois identifier quelle va être la position de ce groupe méthyle. Pour identifier la position, je dois numéroter les carbones. Et là, il faut que je décide, est-ce que je vais numéroter de gauche à droite ou bien si je vais numéroter de droite vers la gauche. Pour ce qui est des groupes nitriles, ça ne dérange rien parce que j'ai un groupe nitrile à chaque extrémité. Donc, j'en ai un ici sur le carbone 1, 2, 3, 4, 5, et l'autre sur le carbone 5, ça va être correct. Et j'aurais pu aussi mettre le contraire, commencer au numéro 1 et faire 2, 3, 4, 5 et avoir nitrile au numéro 5. Fait que ça ne changera rien que je le mette les numéros dans un sens ou l'autre. Mais je dois maintenant aller voir ma ramification. La ramification est ici et je dois m'assurer que je vais avoir la plus petite position possible pour cette ramification. Donc, je n'aurai pas le choix de numéroter les carbones de droite à gauche dans ce cas-ci. Maintenant que j'ai numéroté, je sais que mon groupe méthyle est attaché sur le carbone 2. Et je peux maintenant aller rajouter le suffixe nitrile pour identifier que j'ai le groupe C triple lien N ici. Mais en fait, j'en ai deux groupes nitriles. Hein? J'en ai un autre à l'autre bout sur le carbone 5. Donc, il va falloir que j'identifie qu'il y a deux groupes nitriles en mettant la petite syllabe DI en avant du nitrile, juste là. Et la réponse finale va être 2-méthylpentane-dinitrile. Cette molécule ressemble à ceci, où on a un carbone avec un triple lien au bout, un autre carbone avec un triple lien à l'autre bout, et le groupe méthyle sur le carbone 2. Et voilà, c'est tout pour la nomenclature des composés organiques pour ce cours de chimie 11. C'est certain qu'il y a d'autres groupes fonctionnels qui existent en chimie organique. Il y en a plusieurs autres qu'on n'a pas utilisés dans ces vidéos-là parce que ça ne fera pas partie de cours de chimie 11 à notre école, ni pour les IB. En fait, il nous reste juste une vidéo de chimie organique à mentionner et on va avoir terminé cette série. Fait que pour le groupe nitrile, il y a évidemment des exercices dans tes notes de cours. Dans les deux sens, toujours, donc tu vas être capable de prendre le nom et de le dessiner, pas juste de prendre le dessin et de le nommer. Fait que va te pratiquer dans les notes de cours et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!